Bonjour, c'est encore mon Sylvain, pépiniériste à Ourlo Floral de la Mée. Aujourd'hui, il y a le 5-10e mois 2020. Je suis situé précisément à Bonaouen, dans le département d'Akopé. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait une scarification de la banane plantaire, méthode MSD. Voilà, avant de passer à la méthode, donc je vous sollicite de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour être les premiers à être informés de la prochaine vidéo que je posterai sur ma chaîne. Nous allons procéder d'abord. Voilà. Parce qu'actuellement, ça, ce sont les bourgeons qui sont là. Donc, nous devons scarifier tous les bourgeons que nous avons mis en terre, que j'ai mis en terre. Voilà. D'accord. Bon, je vais vous montrer comment on fait la scarification. Il faut couper le bourgeon. Après avoir coupé le bourgeon qui a bourgeonné, il faut détruire le cœur qui se tient au milieu. Voilà. Voilà. Après avoir détruit le cœur, voilà. Là maintenant, après ça, vous allez voir l'apparition des bourgeons d'ici 2 semaines. Voilà. Je vais vous montrer comment on fait pour le tout. Ce genre de régie là, elle, on doit tout simplement le couper parce qu'elle n'a pas encore fait sortir les bourgeons latéraux. Donc on doit le détruire pour que cela permettra au régie de pouvoir faire sortir les bourgeons latéraux. Parce que si ce genre de si le cœur le régime n'a plus de force pour pouvoir faire sortir les bourgeons latéraux. Donc il faut couper tout simplement. Ça, c'est la méthode MSD. On va approcher la caméra pour pouvoir mieux montrer, pour pouvoir bien vous montrer comment on fait la scarification. La caméra va bien s'approcher auprès des bourgeons. Observez bien, voilà, c'est le cœur qu'il faut scarifier, voilà. Il suffit de tourner le couteau. Voilà. Voilà, la poêle d'avoir fini de faire la scarification. C'est fini.
Ça, c'est la méthode MSD. Voilà. Voilà. Pour plus d'informations, vous pouvez laisser votre commentaire pour que je puisse vous répondre. Soit, celui qui veut avoir une formation approfondie, vous pouvez me contacter sur mon numéro WhatsApp au plus 225 68 63 88 31. Ça, c'est le WhatsApp business. Maintenant, pour le WhatsApp Messenger, c'est le plus 225 01 11 79 19. Je répète bien. Pour le WhatsApp business, c'est le plus 225 68 63 88 31. Pour le WhatsApp Messenger, c'est le plus 225 01 11 79 19. Voilà, je suis disponible pour tous ceux qui veulent apprendre la méthode MSD. Voilà. Ça, c'est la scarification. Ici, je vais vous montrer quand vous scarifiez un bougeon qu'elle a râpé. Voilà. Ce genre de bougeon a été scarifié, mais ce bougeon a été râpé. Le cœur n'a pas été détruit. C'est pour cette raison qu'elle a commencé à bougeonner. Quand vous voyez qu'elle est bougeonnée comme ça, vous devez encore la scarifier à nouveau. Sinon, les bougeons, les plantules ne pourront pas apparaître. Ça y est scarifié à nouveau. Actuellement, voici un bougeon qui veut commencer à apparaître. Voilà. Voilà, quand vous scarifiez un bougeon, vous allez voir que ce bougeon ne pourra plus ressortir. Voilà, là comme ça,
Cela permettra la sortie des plantules. Voilà, aujourd'hui c'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous ai montré comment on procède à l'étape de la méthode de la scarification. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour d'autres vidéos. Je vous remercie. Au revoir.